Ibrahim El Herti, président de la FENELEC, Fédération nationale d'électricité, qui regroupe trois métiers, l'électricité, l'électronique et les énergies renouvelables. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis à Marrakech pour tenir notre conseil d'administration préparatoire au salon ELEC Expo, qui se tiendra sous le haut patronage de Sa Majesté du 8 au 11 novembre à Casablanca. Et ce qui représente la nouveauté cette année, c'est que ça soit réalisé à Casablanca. Alors, ce salon a toujours été réalisé à Casablanca, mais suite au Covid et à l'indisponibilité de l'infrastructure à Casablanca, donc nous l'avons réalisé pour les deux dernières éditions à Jdida, suite à la demande de plusieurs de nos membres qui ont jugé plus opportun de le réaliser plutôt à Casablanca. Donc on revient à Casablanca en espérant qu'il y ait un maximum d'échanges fructueux pendant ce salon dans un contexte qui est extrêmement favorable, surtout après l'annonce de la Coupe du Monde 2030. Alors c'est un peu prématuré aujourd'hui de vous dire exactement comment la FENELEC pourra contribuer au grand chantier gigantesque que connaîtra le pays. En termes d'engagement, il n'y a rien à prouver. Notre engagement est de 100%. Maintenant, comment on va le faire? Nous, la chose sur laquelle on s'est mis d'accord suite au conseil d'administration d'aujourd'hui, c'est qu'on fera des réunions marathon à partir de la semaine prochaine pour définir aujourd'hui et être force de proposition vis-à-vis de la CGM, vis-à-vis aussi des pouvoirs publics pour dire aujourd'hui, voilà ce que nous proposons, qu'on va leur ajouter pour que voilà notre contribution à ce que sera le grand chantier, le Maroc, à partir de maintenant jusqu'à 2030.